mais allez, 3 heures pour soigner, traire, moins de 30 kilos, on va dire. Sinon, c'est 2h30 en bonne speed. Après, en fromagerie, je mets entre 2 et 3 heures. Là, en forte saison, c'est tout le temps. Je passe au moins 6 heures de temps. 3 à 4 heures le matin et 2 heures le soir. Quoi. En fait, c'est un enchaînement. Quoi. Mais après, il y a le marché le matin, donc il faut jongler et faire le fromage l'après-midi. Moi, je travaille toujours jusqu'à 2 heures. Je fais une bonne journée jusqu'à 2 heures. Et après, je vais manger, je me repose 2 heures. Enfin, j'essaie de me reposer. Et après, je rattaque à 4 heures, 4 heures et demie. Après, moi, j'ai les livraisons là-bas le soir, le vendredi et le mercredi. Et au marché ? Bah, les trois, Vannes, Lagacille. Et après, je fais de la tonne et du brie. Mais ça, c'est des fabrications différentes. Là, le lactique, il faut cailler le lait, 24 heures après, on le moule. Alors que la tonne, c'est un travail en 4 heures. On chauffe le lait. On le met la présure, on le décaille, on le chauffe, on le moule, on retourne et le lendemain on a nos tonnes. Donc du coup on les sale et après on les envoie dans le haloir. Je ne veux pas sacrifier mon camembert parce que ça représente une chèvre quoi. Qui fait entre 2 litres et 3 litres quoi. Un camembert. Un camembert, ouais. Ouais. Il faut compter 3 litres ou 2 litres 5, suivant la saison. Thank you.